je m'appelle Mathieu Cosson, producteur de houblon sur l'entreprise qui s'appelle Le Champ du Houblon à Bourneuf-en-Ré, donc 4 hectares de houblon bio, et je suis tout seul à travailler sur l'exploitation, et j'embauche des saisonniers au moment de la saison printemps et de la récolte. Alors ça va se rapprocher plutôt de la production plutôt vigne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une période de taille, alors qui est plutôt nous au début de printemps. Après, on a une période de pousse qui est assez conséquente en avril-mai. Entre les deux, on a du temps à passer pour accrocher nos ficelles, pour faire monter le houblon. Et après, beaucoup de contrôle, quoi, en fait, traitement si besoin. Et après, on arrive au mois de septembre, où là, c'est la récolte. Voilà, en gros, un petit peu la cadence. Et c'est toujours le houblon qui va donner le rythme. Hein, ça. Trouve assez intéressant, c'est qu'on peut se retrouver pour parler de nos besoins. Alors en plus c'est bien parce qu'en fait on est tous tout seuls sur nos exploitations, donc je dirais que le premier truc c'est qu'on se retrouve en fait nous ensemble et on peut discuter des trucs qui vont bien et des trucs qui vont pas bien, parce qu'il y en a aussi pas mal des choses qui vont pas bien, et ça pour nous c'est un truc super intéressant. Après voilà, on a plein d'idées, et l'idée d'avoir un groupe, d'avoir un GI2E, d'avoir structuré ça, c'est que vraiment on va essayer de monter en compétences et qu'on a un animateur qui anime. C'est vraiment le vrai boulot, quoi, pour lui, c'est d'essayer de récupérer tout ce qu'on va dire ou toutes les envies, etc. Et puis d'essayer, hop, voilà, de chapeauter, de dire bon, ben maintenant les gars, on va plutôt partir là-dessus si ça vous dit. Et puis, bah évidemment, le nerf de la guerre, c'est aussi de trouver de l'argent, comment faire des formations, si on veut aller voir d'autres houblonniers ailleurs. Hop, c'est houblon en anglais, et c'est les houblonnières ouvertes au public. On a souvent des questions de gens, ah, c'est quoi, c'est le houblon, voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus faire ça tous les week-ends, donc on fait un temps fort au niveau national des portes ouvertes, voilà. Et ça fait 2 ans que ça existe. Ouais, les dernières, j'avais eu quasiment 100 personnes, quoi. J'avais fait 2 groupes, et c'était bien parce qu'il y avait des gens qui étaient venus, genre qui avaient fait 1h30 de route, quoi, qui étaient venus de loin, et j'avais des locaux, mais ultra locaux, que j'avais jamais vus encore, qui avaient jamais osé venir me voir. Et puis là, bah, du coup, il y avait la porte ouverte, ça permet vraiment de venir se rencontrer, quoi. Et c'était super sympa.